Yo tout le monde, c'est Nike Official Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de quelque chose qui est très simple. Alors, hier il s'est passé quelque chose sur GTA, si vous ne le savez pas, vous avez qu'à aller voir la vidéo d'avant. Là, c'est juste pour vous expliquer comment fait-on pour voir la soucoupe volante sur GTA V. Alors c'est très simple. Il y a trois possibilités, mais je vais vous donner la plus simple. Alors la plus simple. Même si elle est assez compliquée pour les gens qui n'ont pas fini le mode histoire. Alors, pour voir la soucoupe volante dans GTA V, en solo bien sûr, il faut avoir fini le jeu à 100%, se rendre au sommet du Mont Chiliad à 3h du matin, avec un temps orageux. Si le temps n'est pas orageux, vous verrez rien. Ensuite, il y a une autre possibilité. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, c'est possible qu'elle soit fausse. Celle d'avant, c'est sûr qu'elle est juste. J'ai vu des vidéos dessus pour voir si c'était vrai. Alors, la deuxième possibilité, c'est de vous rendre au-dessus d'un lieu assez connu sur GTA. C'est un lieu où on voit des aliens dessinés avec plein de peintures de partout. Vous allez au-dessus. Et normalement, vous verrez une soucoupe volante. Alors, bien sûr, il faut se rendre en hélico, etc. Et bien sûr, ces soucoupes volantes ne sont pas des aliens, etc., comme on voit dans des cinématiques du jeu. C'est tout simplement, c'est très facile, hein, il n'y a rien à comprendre. Sur toutes les soucoupes volantes, il y a écrit FBI, bien sûr, c'est le FIB qui a fabriqué ces engins, c'est tout simple. Et pour les aliens, ben, c'est tout simplement des personnages déguisés comme on les voit dans les acteurs du film. Si vous vous rendez à un endroit, je crois c'est à Hollywood, à Hollywood dans la vraie vie, sur la carte, vous allez à Hollywood. Si vous voyez pas ce que c'est, enfin, on dit sur le jeu déjà. Mais en ce moment j'ai des trous de mémoire, un truc de fou. Bon bref, c'est tout simple, vous pouvez juste vous rendre au plateau de tournage où on a quelques missions à faire, voilà, assez connu aussi cet endroit. Vous allez juste à vous rendre là et vous verrez des aliens. Ben, c'est tout simple, c'est des personnages déguisés. Bon ben voilà, merci d'avoir suivi. Je viens de vous résolu. Résolu? Bon bref. Voilà, maintenant vous avez plus de théorie, vous avez plus rien, vous savez tout sur l'alien. Sur l'alien de GTA V. Voilà, merci de m'avoir suivi. Bye tout le monde. Et merci pour ces abonnés. Franchement, c'est vraiment sympa pour les vues et tout. Je vous remercie. Allez, bye tout le monde. C'était Mister Vinaik. Mister Vinaik. Oui, mais oui, c'est ça. C'est Nike Official Gaming. Bon, Mister Vinaik. Allez, bye tout le monde.